Hello, salut tout le monde, c'est Flo, je vous retrouve dans Division 1 pour une Il y a une partie de équipe du souterrain. FBI qui compte détruire le matériel que j'ai installé dans À les 4 tunnels. joueurs avec Et toutes si les on ne fait directives rien, on sera activées. bientôt dans le noir. Ah, fait du bien un peu de retourner dans. Ouais, dans les souterrains carrément. Alors en plus, hein, là il y a un événement mondial. Et Attention, qui nous donne des hein, des éléments balles. hostiles ont En été plus des balles détectés. explosives de la directive, et ben, ça nous donne des balles spéciales pour toutes les armes. Donc là, c'est du plein plein d'effets d'état. Hein. Là, j'ai sorti mon petit build Reclaimer, tout simplement. Pense que c'est le mieux hein, comme build, du coup. Comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà, bon, évidemment, avec les cadences de tir, hein, je me fais vite électrocuter. Allez, on va aller activer le générateur. Voilà, donc faut défendre la zone, hein. Tous les électrocuter hein, si on diffuse un peu toutes les balles. Faut que je fasse gaffe aussi à. Attends, faut que je fasse gaffe aussi à la. Mon stock de munitions hein. Parce qu'on commence avec la moitié. À cause d'une des directives. Attention, des éléments hostiles ont été détectés. Ça débarque. Là, je recherche toujours par réflexe, hein, par habitude. Donc là, je crois qu'on perd pas le contenu du chargeur quand on fait ça. Mais dans une ancienne version du jeu, on perdait tout le chargeur si on rechargeait avant qu'il soit vide. Et là, ça a l'air d'aller. On est deux hein, à jouer en. Pas en Reclaimer d'ailleurs, j'ai dit une connerie. Du coup, en D3. Hein. En frontline, en D3 FNC. Avec le bouclier. Et on est deux apparemment à faire ça. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut faire des attaques. Des attaques éclair, hein, comme on est très très résistant. Carrément courir sur les mobs et puis les défoncer. Carrément dans la mêlée. Voilà, hop. Donc la compétence spécifique, j'ai équipé celle qui me permet de résister. Résistance. Donc ça, c'est surtout pour les effets des. Enfin, pour. Ça annule les effets d'électricité, hein. Pour éviter d'être paralysé. Et puis, je l'utilise surtout quand on doit affronter les chasseurs dans le souterrain. Ça évitera à l'équipe de tomber.
Et surtout, ça nous permettra de faire des tirs constants, hein, pas d'être sans arrêt électrocuté. Ce qui sera un avantage indispensable. Allez les gars. Attention, élément hostile détecté. Juste pour le fun. Élément hostile en approche. Ah, les gars, voilà. Y aller, hein, carrément, pas hésiter. Faut pas tous s'éloigner du générateur, hein, sinon je crois qu'ils perdent la vie automatiquement. Attaque par derrière. Merde, agent à terre de nouveau. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, il y a un mob derrière, ouais. J'ai pas fait gaffe. Je vais les éliminer. Ça, c'est bon. Non, il y en a encore un, hein. Merde, il est où? Voilà. La place, mais il est indispensable. Alors merci du coup de main et de vous être occupé de ça. Putain de tireur d'élite. On se débrouillait très bien. Alors c'est pas trop pour faire de la pub, hein, pour les souterrains, mais c'est franchement un truc mais que j'adore, hein, j'adore faire. Déjà l'ambiance, la musique, enfin sérieux, et puis c'est sympa quoi, c'est pour des petites parties rapides. Parties rapides et puis en plus aléatoires quoi, en gros. Bah c'est exactement le mode qu'il fallait. Un des modes qu'il fallait, hein, pour Division. Pour Division. Ouais, j'adore. Franchement, c'est précis, on se trouve un gradé du LMB. Allez dans les tunnels et remettez de l'ordre dans la chaîne de commandement. Ils y viennent, la JTF. Merci de rappeler. Alarme. Allez, c'est parti la mêlée.
sais pas où est l'alarme par contre. Ce qui est dommage maintenant, hein, c'est que le plus dur en fait dans les souterrains, bah, c'est de trouver des joueurs en fait. Ah, c'est dommage. Mais c'est vrai qu'on. C'est vrai que ça prend un peu de temps à trouver des. 3 joueurs comme ça. Ce qui fait que la plupart du temps, en fait, on fait des parties à 2 ou à 3. Hein. Bon, à moins qu'il y ait des joueurs réguliers, hein. Des potes ou des choses comme ça. Mais bon. Attention. Allez, voilà, tous les mobs sont en face de moi, donc pas de problème. Juste éviter de se faire contourner. Qu'un là, hop, on va les buter. Voilà, on attaque éclair, on tourne, hop là, réglé. Merci du coup de main. Très joli tir. Faire le plein, hop, je te passe devant mec. Je suis pas sympa, je sais, c'est pas grave. Tu feras avec. Attention, élément hostile blindé détecté. Les gros sont assez chiants à buter. Juste là, ils ont mis une station de soutien. Voilà. On va trouver la station déjà. Et je vais contourner. Voilà, bah, y en a même deux. Donc, je peux taper dans la valise. Voilà. On stack. Ensuite, on élimine les médecins. Dans le sac à dos. Voilà, parfait. Allez. Il en reste un encore là. Des types du voilà, excellent.
Ça va vite, hein. Déjà deux objectifs sur trois. Allez Greg, c'est à toi d'appuyer. Greg. Ouais, manière cavalière de te dire de te dépêcher. Ça vous dirait d'éliminer trois amis du colonel Bliss? On sait où ils se trouvent grâce aux infos que vous avez envoyées. On fait ça sans perdre de temps. Alors attention, là il y a un brouilleur de compétences. N'oubliez pas d'ennemis apparemment. Bah lui jette son sa mine sur le brouilleur, donc ça va. Brouilleur actif. Brouilleur désactivé. Ce qui est bien, c'est que le brouilleur dans Vision 1, il désactive pas la le bouclier. Ce qui est super pratique, hein, n'empêche. Il y a un ennemi derrière moi, je crois. Là, c'est bon, ils l'ont buté. J'ai même pas vu. Ouais, fouiller la zone, ok. Toujours pas de chasseur pour l'instant. Brouilleur là dans cette phase. Hein. Je crois qu'il est à l'étage en plus. Ah, il est là-bas. J'arrive à l'atteindre à peu près. Ah, c'est bon, attention. Je vais monter, attention à la bombe ici. Ça va. Ok, c'est bon. Attention, élément hostile à proximité. Thank you.
Les munitions. De soins, toujours pratique, hein. Attention, élément hostile. On les fait les buter aussi, ceux-là. J'attaque par derrière. Oh putain. Mais bon, je l'ai eu. Attention, ça débarque de là-bas. On va faire attention par contre après, hein, comme on est en troisième phase. Il y a de fortes chances qu'il y ait des chasseurs après cette vague-là. Je pense qu'il a fait ça pour éviter de crever, le mec. Utiliser la compétence unique. Merde, à terre. Allez. Ah non, pas de chasseur, de merde, je suis dégoûté. Félicitations. Trop rare ça. Bon bah tant pis, c'est pas grave, pas pour cette fois. Bon, c'est plutôt rare à ne pas en avoir, mais il y a une ou même deux fois, moi j'en ai carrément eu à deux phases différentes. Enfin à deux phases de la même partie. Ce qui était vraiment sympa. Ouais, on est en Kaylanix. Et voilà, opération terminée.
vous entrez dans une zone de sûreté. Oh voilà, bah, c'est tout hein, pour cette session. Allez, à bientôt. Ciao.